Salut tout le monde, c'est moi DarkCody93 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le sixième épisode de la série des bugs de GTA. Donc les bugs de GTA, je l'ai pas précisé parce que c'est les bugs de tous les GTA possibles. Hein. Franchement, j'ai fait sur plusieurs GTA, donc je pense que plusieurs vous aurez du Liberty City Stories. Je vais bientôt en mettre. Bon, pour l'instant, on reste un peu sur du Vice City Stories, mais bon, c'est pas grave. Donc là, bien sûr, on se retrouve pour du Vice City Stories. Et le bug, ça sera le bug du studio de cinéma. Oui, au studio de cinéma, il y a un bug. Je vais vous le montrer tout de suite. Bon, attendez, j'y vais. Bon, au studio de cinéma, pour ceux qui savent pas, bon, maintenant, vous le savez tous, hein, ça sert à rien de le dire, mais c'est sur la deuxième île. Hein. Une île sur la deuxième, entre la première et la deuxième île, je dirais. Vous allez comprendre pourquoi, hein, mais c'est tout simplement si on continue tout droit, en fin de compte, on arrive sur la première île. Donc, hop là, donc j'arrive au studio de cinéma. Allez hop, on y va tranquillement. Et hop là, ça va être parti. Zup là. Donc, je crois que il y a une petite information à préciser. Hein. On avait dit oui, donc justement le changement de nom hein, de notre chaîne, ça je l'ai pas précisé, enfin je ne crois pas, enfin j'ai l'air d'être un vieux à radoter, c'est que vous avez remarqué qu'on a changé de nom et que tout simplement c'est juste un pote qui m'a conseillé d'utiliser DCD Gamers juste pour voir comment ça allait fonctionner. Et donc du coup j'ai suivi son conseil. Donc c'est un pote hein, que maintenant bah, il a décidé de se lancer dans l'aventure YouTube. Donc là je crois qu'il a mis une vidéo, enfin je crois qu'il commence ce week-end. Donc, si vous voulez savoir ce que... Je pense que je mettrai le lien dans la description ou peut-être sur Facebook ou peut-être que je ferai une vidéo en duo avec lui. Normalement, des vidéos, une série de vidéos en duo avec lui devrait être préparée, devrait être faite. Donc, voilà pour cette petite parenthèse. Donc, le bug du studio cinéma, c'est tout simplement juste sa passerelle. Et là, faut sauter. Oui, faut sauter comme un malade. Ouais, c'est tout ça, mais oui. Allez, on saute comme un... Allez. Bon, parfois, ça met un peu de temps, c'est normal, hein, mais... Une fois que vous y arrivez, vous êtes content. Bon, ce bug marche à tous les coups, hein, bien sûr. C'est pas genre en une heure, hein, franchement. En 5 minutes, ça devrait être fait. Bon, c'est ça qui prend du temps, hein, sinon c'est plutôt facile à y aller. Bon, faut dire que moi, si j'y galérais moins pour le faire, ça serait déjà mieux. Donc, on y va. Allez, c'est parti. Je grimpe. Allez, voilà, c'est bon. Et là, oh, mais DarkCody93, qu'as-tu fait? Bah, tout simplement, j'ai sauté. Et maintenant, je suis dans les airs. Bah, vous avez bien vu, hein. Regardez, je vais essayer de tirer en bas. Je sais pas si vous le voyez bien quand je tire sur le mur là-bas. Bah, si vous le voyez. Donc, vous avez vu, je tire à la minigun, hein. Oui, par contre, vous avez vu le petit fait qui s'est passé. Désolé pour les petits trucs de flou, hein, c'est ma caméra qui fait ça, mais je crois que c'est par rapport au fait que quand je bouge un peu, ça doit un peu... Par contre, il y a un truc qui va vous rappeler l'épisode numéro 4. Oui, exactement, j'ai une grenade dans la main, regardez en haut à droite, et là, je la balance. Mais, elle reste là, vous avez vu? Elle est restée là. Je sais pas trop si vous avez bien vu, si vous voulez, je vais en rebalancer une deuxième. Là, ici, là. Vous avez vu le petit point? Avant que je me fasse exploser. Donc si vous n'avez pas vu, repassez-vous le passage. Parce que je ne vais pas faire ça indéfiniment. Donc ensuite, pour revenir à la passerelle, vous ne pouvez pas revenir sur la passerelle. Vous avez bien vu. Hein. Je suis toujours là, regardez même si je continue. Hein. Vous avez bien vu qu'il y a une différence de hauteur par rapport au début. Ensuite, vous essayez de continuer par ici. Et bah, il y a un mur qui est invisible qui vous en empêche. Regardez, je vous le prouve même avec une grenade. La grenade va ricocher, vous allez voir. Regardez. Ah, bah, elle est même derrière moi maintenant. Vous avez vu? Là, bah, ça sert à rien que je remette de la vie parce qu'en fin de compte, vous êtes obligé de mourir pour ce bug. Là, pareil, hein, vous pouvez pas y aller. Regardez, vous avez vu? C'est comme si il sortait un mur et maintenant je recule, d'accord. Fait, bon, je passe à travers un petit peu, à travers le toit. Donc, en gros, pour ce bug, bah, vous êtes obligé de mourir. Par contre, ce qui est pas mal, c'est que j'ai déjà essayé. À ce moment-là, j'étais poursuivi un peu par les flics. Et j'ai tiré sur des bikers en même temps qui me poursuivaient. Donc voilà, je vous le prouve, hein. Regardez. Vous voyez le taxi là-bas? Hop, le taxi.
Alors, je sais pas trop parce que, regardez, vous avez vu, il vise de travers. Vous avez vu? Je vise le mur, mais c'est pas sur le mur. Je crois que vous l'avez bien vu, hein, c'est pas sur le mur que ça tire. Donc, vous êtes obligé de mourir. Donc, c'est un petit peu bête, hein, pour ce bug. Mais bon. C'est qu'un bug, hein. Franchement, on ne va pas perdre grand-chose. Donc, vous avez vu que pour mon épisode numéro 5, d'accord, vous avez vu, même une grenade qui a disparu. Je sais pas si vous l'avez vu pendant un petit laps de temps. Vous avez vu l'épisode numéro 5. Comportez, franchement, si vous n'avez pas vu l'épisode numéro 5, allez le voir, c'est sur le bug de l'avion. Comment sortir de l'avion? Le meilleur passage, je crois, c'est celui-là. Comment sortir de l'avion? C'est vraiment le, je crois, le truc le plus recherché. Hein, ça doit bien être sortir de l'avion, ne mentez pas. Hein, c'est ça que vous recherchez aussi. Et donc, le dernier bug, ça sera un bug de téléportation avec un BMX. Franchement, je l'ai fait tout à l'heure. Je jouais avec un BMX et passé à travers les toits et tout. Franchement, c'était assez fun. N'empêche, je remarque une petite coïncidence. À chaque fois dans mes vidéos, bizarrement, il y a toujours une ambulance. Enfin, je sais pas pour vous, mais. Enfin, dans mes dernières vidéos, en tout cas, il y a toujours une ambulance. Donc, mais si vous avez fait. Ah, oh là là, je bug. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime. Ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi. Ça fera toujours plaisir d'avoir des fans. Hein. Franchement, hein, je demande quoi? Quelques petits abonnés. Hein, allez-y, ça vous prend quelques secondes. C'est simple à faire. C'est tranquille. Rejoignez-nous sur Facebook. Hein. N'hésitez pas, franchement, rejoignez-nous sur Facebook. Parce que franchement, ça serait bien de dépasser un petit peu les 100 j'aime. Et je dis ça, mais c'est vrai. Hein. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à parler de nous. Enfin bref. J'espère que cette série vous plaît de Medal of Honor. Non, je dis ça parce que je vais bientôt reprendre la série Medal of Honor, mais avec une meilleure qualité d'image. Hein, parce que j'ai filmé un peu comme un porc. vulgairement dit, comme un porc. Donc. La série GTA, je pense qu'elle vous plaît beaucoup mieux. D'ailleurs, je le vois au nombre des vues et au nombre de j'aime aussi. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. Je me répète, je sais. Donc, je vous dis à la prochaine. Allez, bye!